Je regarde ici. By Balenciaga, vous connaissez? Vous avez sûrement vu des célébrités arborer ses créations les plus folles ou avez été interpellé par une paire de chaussures dans la rue portée par un anonyme. Mais connaissez-vous l'histoire de Cristobal Balenciaga? Si est-ce ce que vous propose de découvrir Disney Plus depuis le 19 janvier dans une nouvelle série originale inspirée par la vie et l'œuvre du couturier espagnol, devenu l'un des plus iconiques créateurs de mode de tous les temps. Créé par Lourdes Iglesias et les réalisateurs, 13 fois récompensés au Goya, Heitor Argi, John Garano et José Marie Goenaga, la série met en scène l'acteur Alberto San Juan troublant dans la peau de Cristobal Balenciaga, un homme énigmatique qui a défié les conventions de son époque et révolutionné le monde de la mode. À ses côtés on retrouve un casting très international. Belén Cuesta, l'aristocrate espagnole et future reine de Belgique Fabiola de Morail Aragon, José Ambin Gutchiei, Nicolas Bizcarondo, un homme d'affaires de San Sebastián, Cecilia Solagourin, son épouse, Virgilia Mendizabal, Adam Quintero, le collaborateur de Balenciaga Ramon Esparza, Thomas Kuhmann, Vleidio Datinville, le compagnon et associé de Balenciaga, Anouk Grimberg, Coco Chanel, Patrice Thibault, Christian Dior, ou bien encore Anne-Victoire Olivier, l'actrice Audrey Hepburn. La série prend le parti de débuter au moment où le créateur présente sa première collection de haute couture parisienne en 1937. Il a laissé derrière lui la brillante carrière débutée dans ses ateliers de Madrid et de San Sebastián, où il habillait l'élite de la société espagnole. Mais les tenues qui lançaient les tendances en Espagne ne rencontrent pas le même succès à Paris, capitale de la mode et de la sophistication où Chanel, Dior et Givenchy sont les références en matière de haute couture. Guidé par le besoin obsessionnel de contrôler tous les aspects de sa vie, Cristobal Balenciaga va définir son style et devenir l'un des plus grands créateurs de mode de tous les temps. Une série à voir à partir du 19 janvier sur Disney+.mode, quelle série regarder? Prochainement, la plateforme sortira également une série intitulée Kaiser Karl avec l'acteur Daniel Brühl qui reviendra sur la vie de Karl Lagerfeld, décédé en 2019. On retrouvera là aussi des Français au casting comme l'influenceuse Jeanne Damas. À découvrir courant 2024. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, vous pouvez aussi miser sur des classiques comme Gossip Girl, Sex and the City ou Une Nounou d'Enfer ou sur de nouvelles valeurs sûres, Emily in Paris ou Girl Boss, toutes les deux disponibles sur Netflix.